schijnen. Dus het belooft eigenlijk een mooie start te worden van de paasvakantie. Dus... Près de Wurtscheid. Alors réfléchissez bien à ce que vous avez fait ce jour-là, c'est un conseil. Une solde. C'est le jour où vous êtes tombé malade. Vous étiez-vous disputé avec Fredericks au cours des jours précédant sa mort? Et quand bien même, monsieur Steiner? Qu'est-ce que vous avez après mon père? Croyant qu'il avait découvert un cas de SB dans l'élevage. Que s'est-il passé? Vous voudriez que j'accuse ma famille? Est-ce que tu étais au courant? Michael, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien. Combien de temps allez-vous vous taire? Certains diront, à quoi bon chercher à savoir? Il s'est passé tant de choses depuis. Unsolved, affaire non résolue. À 20h50 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, la pluie continue sur l'extrême sud du pays avec un risque d'avalanche de 5 sur 5. Donc Météo France a mis les départements que vous voyez en orange. En fait, il y a eu beaucoup de neige, le manteau neigeux est rendu instable par les précipitations et notamment la pluie. Donc soyez extrêmement prudents. Pour demain matin, on va donc retrouver toujours beaucoup de nuages avec des précipitations sur l'extrême sud du pays avec ce risque d'avalanche, du vent très fort jusqu'à 90 km à l'heure. Et puis partout ailleurs, eh bien, c'est l'anticyclone qui va enfin revenir sur la France. Il va descendre petit à petit. On va donc retrouver des éclaircies déjà demain dans la matinée. Dans l'après-midi, c'est donc le soleil qui va envahir l'ensemble des régions du nord, alors que sur le reste de la France, eh bien, on aura toujours un petit peu d'instabilité avec parfois quelques averses et quelques orages possibles, du vent qui se renforce encore jusqu'à 100 km à l'heure. Pour les températures, c'est donc le changement, ça remonte très nettement. Demain matin, nous aurons des températures comprises entre 2 et 8 degrés sur la moitié sud. Nous aurons entre 6 et 12 degrés pour démarrer la journée. Et dans l'après-midi, eh bien, c'est la douceur qui s'installe vraiment. Déjà aujourd'hui, les températures étaient en hausse. Demain, nous allons repasser au-dessus des normales saisonnières sur la moitié nord du pays avec des températures entre 14 et 19 degrés. Sur la moitié sud, nous aurons entre 13 et 21 degrés. Évidemment, les régions situées au pied des Pyrénées et sur le Massif central auront des températures plus faibles à cause des nuages et de la présence de la pluie. Alors, est-ce que ce beau temps va durer? Eh bien oui, nous aurons encore de l'instabilité mardi et mercredi sur la moitié sud du pays avec un temps changeant en fait, avec des éclaircies mais aussi des nuages de temps en temps, des ondées localement orageuses. Toujours de la pluie et de la neige sur les Pyrénées. À partir de mercredi, ça devrait commencer à changer. Sur la moitié nord, on aura un peu de vent de nord-est, donc les températures vont baisser, mais le soleil sera bien là. Et pour la suite de la semaine, c'est le beau temps qui se confirme pour tout le monde. Jeudi, vendredi, et samedi et dimanche, on aura simplement quelques petits passages nuageux sur la moitié nord, avec des températures donc, qui, dans un premier temps, auront baissé, mais qui vont remonter peu à peu, parce que le vent de nord-est cessera. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Tout le sport sur France 3 avec Eurofil. Eurofil, assurance automobile en direct par téléphone et internet. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Weldom. Une tête d'Henrique à la 89e minute et voilà Bordeaux, seul club vainqueur de la Coupe de la Ligue à deux reprises. Les Lyonnais ont dû subir un nouveau raté, les Girondins peuvent exulter. La fête à Bordeaux est prévue pour demain en début d'après-midi. Bonsoir, la 30e journée de Ligue 1 s'est jouée aujourd'hui avec des rencontres en bas de classement aux allures dramatiques. Le point, Nicolas Vinoy. Toute la misère du monde et surtout de Nantes, dans cette moue de Fabien Barthez. Nantes-Sedan à la Beaujoire, c'est le combat de deux équipes relégables et l'histoire surtout d'une terrible erreur de l'ancien gardien international sur ce centre de David Ducourtieu. 1-0 pour Sedan. Score final, un coup de maître pour les Ardennais qui dépassent ainsi au classement les coéquipiers de Fabien Barthez, mais qui dépassent aussi les Troyens, ici en bleu, battu 1-0 à domicile par Sochaux sur ce but de Romain Pitot. Les Sochaliens en profitent pour se hisser provisoirement à la troisième place du classement, alors que les Troyens de Jean-Marc Furlan deviennent eux relégables. Dans la course au maintien toujours, Nice ne peut faire mieux que match nul à domicile contre Monaco. Lilian Lasland ouvre pourtant le score pour les Niçois,
Mais à 11 minutes de la fin, Yaroslav Plazil égalise. Un partout, score final. Enfin avec Sedan, l'autre bonne opération de la journée pour le maintien nous vient de Lille, où Valenciennes en blanc s'impose 2-0. Geoffrey Doumain tout d'abord, puis Eric Asli ensuite, permettent à leur équipe d'avoir ce soir 6 points d'avance sur le premier relégable. Sedan n'est plus dans la fameuse zone rouge. Quant au PSG, avant son match de ce soir à Lens, il est tout simplement dernier. On termine avec les autres résultats de l'après-midi. Le Mans-Auxerre, 2-2. Enfin, Toulouse bat Saint-Etienne, 1-0. La finale de la Coupe d'Europe de volley à Moscou, tour finalement, n'a pas résisté à Friedrich Saffen après un beau parcours dans ce Final Four. Le résumé, Claire Vauquier. Au jeu du finaliste le plus surprenant, c'est finalement Friedrich Saffen qui s'est imposé. Le club allemand remporte sa première Ligue des Champions et Tours passe à côté d'un deuxième sacre. Dès le premier set, la menace est identifiée, elle a pour nom Jürgen Schops. Le pointu de Friedrich Saffen aiguille son arme favorite, le service gagnant. Avec 4 aces en 3 minutes, les Allemands remportent la première manche, 25-20. Au début du deuxième set, Tours reprend l'avantage et compte jusqu'à 6 points d'écart. Pas suffisant pour déstabiliser des adversaires solides dans leur tête et dans leur jeu. L'inévitable Schops est encore au rendez-vous et Friedrich Saffen gagne le deuxième set, 26-24. Dans la troisième manche, même scénario avec un bon début du TVB et des Allemands qui reviennent au score. Cette fois-ci, les Tourangeaux l'emportent, 25-23. Mais l'espoir est de courte durée. Tours commet trop d'erreurs, comme cette faute de placement à la rotation. Friedrich Saffen s'impose, 25-19, 3-7-1. En basket, Final Four féminin, Bourges termine quatrième en pro à Dijon, bas Orléans 78-68 et Joachim Noah avec son équipe de Florida se qualifie pour la finale du basket universitaire américain. Finale demain face à Ohio. Tout de suite, le reste de l'info, Sonia Dogé. Un dernier essai de Tom Varndale à 8 minutes de la fin du match. Leicester reprend l'avantage sur le Stade français qui ne reviendra pas dans ce quart de finale. Les Anglais s'imposent sur le fil 21-20 et les Français sont éliminés de la Coupe d'Europe. Pas mieux pour Biarritz en rouge, nettement moins bien même. Northampton n'a besoin que d'un essai transformé pour s'imposer, c'est-à-dire 7 points. Score final 7-6, un match passionnant. Mieux que Manodou, ça existe, en tout cas aux yeux des Australiens. Elle s'appelle Libby Lenton, elle est australienne. Et elle remporte ce matin son 5e titre mondial grâce à sa victoire sur le 50 mètres nage libre. Malia Metella termine 7e. Mieux que Libby Lenton, ça existe aussi. Il s'appelle Michael Phelps et il remporte ce matin sa 7e médaille d'or sur le 404 nage. Avec un 5e record du monde à la clé. Petit rappel, Michael n'a que 21 ans. À 26 ans, Serena Williams trouve, elle, un nouveau souffle. Elle a remporté la nuit dernière le Master Series de Miami aux dépens de Justine Henin, en faisant montre, sans surprise, d'un jeu musclé et d'un mental bien charpenté. Après sa victoire à l'Open d'Australie, Serena confirme son grand retour. 35 ans et des jambes de jeune homme. L'Allemand Jens Voigt s'est imposé cet après-midi dans le Critérium international à l'issue du contre-la-montre, remporté lui par ce garçon, le Suédois Lökqvist. Troisième victoire dans cette épreuve pour l'Allemand qui avait déjà inscrit son nom au palmarès en 99 et 2004. Pour rester dans le vélo, les championnats du monde de cyclisme sur piste à Palma de Majorque. Belle journée de médailles pour les Français. Julien Hérichon. D'accord, l'or a manqué, mais trois gaillards pour trois médailles. On peut penser que c'est une belle journée côté français. Grégory Bauger était en finale de la vitesse avec des envies plein les boyaux. Mais il doit se contenter de l'argent car pour dire les choses, Théo Bos, néerlandais tenant du titre, reste le seigneur de l'anneau. Facile, dirait-on de sa victoire au point levé avant la ligne. Facile, cet or conquis en deux manches sèches. Facile d'annoncer que Bos, c'est le patron. Dans la petite finale des grands efforts, Michael Bourguin remporte le bronze en devançant le Britannique McLean, deux manches. C'est vite fait, bien fait. Plus tôt dans la journée, François Pervis termine deuxième du kilomètre, simplement battu par le Britannique Chris Hoy. Côté français, on ajoute cette semaine l'or de la vitesse par équipe et ça fait 4 médailles au bilan. Encourageant. Lui n'a pas raté le coche, Sébastien Loeb s'est imposé au rallye du Portugal. Du coup, au général, le français revient sur Grenholm. Christian Joupin, Julien Delage. Contrairement aux apparences, Sébastien Loeb est en train d'assurer plus que quelques centaines de mètres.
pour la victoire. Sébastien Loeb, star du week-end, sur le rallye du Portugal, vainqueur incontesté avec 37 secondes d'avance. Cela vaut bien une dédicace ironique de Daniel Elena sur le pare-brise de Marcus Grönholm. La cinquième manche du mondial fut une démonstration d'efficacité de notre Français. Durant trois jours, il a nargué Grönholm avec de meilleurs choix tactiques au niveau des pneumatiques. Ça tourne souvent vers un duel et on se rend compte que les points perdus coûtent très cher. En Norvège, on ne marque pas de points et là, on a trois victoires. Lui, une victoire, il est devant nous au championnat. Donc ça commence à être dur. Il faut vraiment être à l'arrivée, c'est le plus important. Bonne analyse de Sébastien. Grönholm possède encore 2 points d'avance au classement pilote. Hirvonen, sur la troisième marche du podium, est à plus de 2 minutes. Résultat des comptes, les affaires se compliquent pour les autres. Et ce n'est pas l'Allemand Stoll qui va nous contredire. En effet, demain, vous retrouvez Henri Sagny à 20h10, tout de suite Lucky Luke. On se quitte avec un autre tireur qu'on salue. Dernier tour de piste pour Raphaël Poiret au championnat de France. Au Grand Bornand, adieu en fanfare pour ce grand champion qui finit sa carrière avec un titre de champion de France de Mastart. Bravo à lui et douce soirée sur France.